Je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je fais du ski alpinisme en compétition. J'ai la chance de faire ça à plein temps. C'est vrai que je baigne dedans depuis que je suis née, en fait. Mes parents, ils skient, donc ils m'ont mis sur les skis à 18 mois. J'ai enchaîné les étapes en alpin avec les skis études, à faire de la compète. J'avais vraiment comme souhait d'aller plus loin encore. Mes deux dernières années, je me suis blessée. Tu perds vite du niveau et c'est pas toujours facile de revenir. Je connaissais un petit peu le ski alpi à travers des amis. J'étais déjà allée sur la Pyramenta. Au moment où j'ai décidé d'arrêter le ski alpin, je m'étais dit ça peut être cool aussi. Je suis tombée un peu dedans comme ça. Je garde beaucoup de souvenirs de l'année dernière. Ça a été une saison hyper riche en émotions pour ma part. On a eu une médaille d'or au championnat d'Europe avec Thibaut Anselmé sur le relais. J'ai réussi à remporter le classement général, le gros globe et le petit globe du sprint. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait que progresser. Et du coup, ça fait peur de se dire que peut-être que je vais régresser à partir de ce moment-là. J'ai atteint un peu un pic. C'est sur ça que je me mets de la pression. En plus, on va s'améliorer, plus ça va être difficile d'aller chercher les petits gains pour encore progresser. C'est parti! C'est vrai que là, j'ai enchaîné deux blessures depuis le printemps dernier. Je m'en rends compte que les émotions fortes, tu les vis parce qu'il y a des moments bas aussi. Et la blessure, ça rentre dans la vie du sportif à tous les niveaux. Et le fait d'avoir l'opportunité de rebondir en fait, de ces choses-là, ça rend les choses encore plus belles, on va dire, quand ça va bien et quand tu réussis. Donc, faut les prendre comme elles sont. C'est vrai que Courchevel, tu m'as tellement mis la presse. Franchement, mais je m'en souviendrai toujours. Non, mais non. Si, tu m'as mis 4 minutes. 4 ou 5 minutes. Moi, ma mère, elle m'a dit que tu m'avais tout repris dans la descente. Ça avait été une fusée. Ouais, tu m'as posé un sac dans la bosse, quoi. Je t'avais posé un sac dans la bosse. Moi, tu étais mon objectif. Ça, avec ça, j'ai réussi mon été, tu sais. Émilie, en quelques mots, elle est souriante, positive, elle a un gros moteur. Qu'est-ce que ça fait d'être la personne à battre? Forcément, ouais, ça rajoute un peu de pression. J'entends mon nom au speaker, ça me fait un peu bizarre. J'essaye d'y faire un peu abstraction. Moi, je sais qu'il y a les autres filles qui sont très fortes aussi. C'est vraiment pas gagné d'avance. J'essaye de rester dans ma petite bulle, de me donner les armes pour pouvoir encore avoir l'énergie qu'il faut pour des courses comme ça. Ouais, elle est en mode guerrière, couteau entre les dents, en mode je vais casser la course. Elle a un mental aussi. Moi, ça m'impressionne sur les courses, sur les entraînements. Comment elle dépasse ses limites, c'est vraiment impressionnant. Elle sait se faire mal, elle sait aller au-delà de la douleur. Et c'est ça qui est beau, quoi. Vu de l'extérieur, on peut croire qu'on est un peu maso. Je pense que c'est intimement lié dans ces sports-là. C'est des disciplines qui sont dures physiquement, mentalement aussi, il y a tout qui est lié, quoi. Moi, ce qui me plaît dans ce côté de me donner à fond, en fait, c'est d'aller découvrir jusqu'où mon corps il va pouvoir m'amener petit à petit. Ça a toujours été un moteur de voir, OK, bah, si je mets des choses en place dans mon entraînement,
voir le niveau qui augmente petit à petit, de sentir aller vite et d'aller plus vite qu'il y a quelques semaines, qu'il y a quelques mois, et bien ça, ça donne du plaisir aussi de se sentir en forme. Est-ce que je profite dans les moments où je suis à bloc? Tant que j'arrive à avancer et que je sens que mentalement, j'arrive à être plus forte que la douleur physique, ouais, je profite. On sait jamais quand ça peut lâcher, donc on profite de l'instant. Le après, après coup, après que t'aies tout donné, t'es toujours assez fier de toi, d'être allé au bout de toi-même. Et moi, je regarde genre des personnes hier, j'en ai parlé, comme William Bombardion, qui a fait 15 ans de se faire mal comme ça. Et ça, je trouve ça incroyable. Et des fois, je me dis, mais est-ce que moi, j'en suis capable, tu vois, enfin, de me faire mal pendant autant d'années sur autant de courses. Du coup, je pense qu'il te faut ouais, une vraie raison de pourquoi tu veux faire ça, et que ce soit hyper solide et hyper sincère, pour que tu te le rappelles, en fait, dans les moments où ça va mal. Thank you.